Donc, pour expliquer l'impondérable de la session du samedi 8 janvier 2011, la raison pour laquelle on n'a pas plongé, ben bon, ce qui me concerne, 2 heures avant au foot, voulant marquer un but, j'ai tapé dans la tête du goal et du coup, je me suis un petit peu ouvert le crâne. D'ailleurs, je profite pour faire un petit coucou à Stéphane Le Goal en lui disant excuse pour les 10 points de suture, mais la prochaine fois que tu me vois arriver pour marquer un but, te mets pas au milieu, quoi. C'est la règle de base, tout le monde le sait. Bon. Et ce jour-là, le samedi 8, eh ben Philippe, pas plus envie de plonger tout seul que ça. Donc on s'est dit, on va annuler la session, pas de raison. Mais il se trouve qu'on a un fan club. Et ouais, Agnès et Carole avaient fait le voyage depuis Marseille pour venir nous voir. Donc on s'est dit avec Philippe, eh ben, on va quand même plonger. Mais cette fois-ci, on va faire l'entraînement le plus petit de l'année. Et là, on a fait un plongeon extraordinaire de moins d'un mètre. À voir. Vas-y, Pipi, plonge! Voilà, on est au trou souffleur. Il est 14h05. Des poussières. Hein. On est le 15 janvier. On va se faire un petit 20 tours de mètre, un bon entraînement. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler le plus joliment possible l'arrivée, notamment le pliage de jambes qui me concerne. Et puis l'idée, c'est aussi de se détendre un petit peu. Et hein, c'est de se faire après plaisir. Après une semaine difficile. Voilà. Hein. Donc je sais pas quel numéro de session, ça doit être marqué en bas de l'écran. Là. Tu as marqué moi la session, là, ici, là. Là. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Et puis là, ici, vous marquez mon nom. Là, ici, vous marquez Philippe. Très bien, super. Allez, on y va. Thank you.